C'est l'histoire d'un maître mendiant. Un maître mendiant qui a un disciple, un élève. Et cet élève fait tout ce que son maître lui dit de faire. Il marche, il descend au village, il va de commerçant en commerçant. Et à la fin de la matinée, dans sa petite boîte en fer, il y a 16 gâteaux au miel et aux amandes. Alors il plonge la main dans la boîte en fer et hum, 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 hum. Ces gâteaux-là ont le goût de la faim. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on ouvre ensemble les tiroirs aux histoires? Oui! Il était une fois une belle princesse. Elle était belle, si belle, que tous les garçons du royaume rêvaient d'elle. Et le lendemain, le prince se met en route. Marche, marchera, tu trouveras. Marche, marchera, tu trouveras. Marche, marchera, tu trouveras. Le corbeau a fait signe au prince de le suivre et l'a emmené tout en haut d'un peuplier. Sur la dernière branche du peuplier, un nid. Et dans le nid, trois œufs. Tous les matins, Hassan y prend un grand sac de toile de jute dans lequel il met toutes ses casquettes. Et sous ses branches, une ombre douce et fraîche. Il se réveille en sursaut. Il y a quelque chose qui est passé tout près de sa jambe. Il regarde autour de lui, ne voit rien, rien, rien justement, rien là, son sac à casquettes. Il est vide, rap, rap,